Bonjour à tous, je suis Aurélia et je serai votre agent de voyage aujourd'hui et c'est avec grand plaisir que je vous ai préparé vos vacances en groupe de rêve au ski. Conformément à votre demande, vous partirez du 10 au 12 décembre 2021 au plein cœur de la vallée de Serre-Chevalier. Votre phrase d'accroche, elle doit vraiment me dire « Tiens, j'ai envie de l'écouter. » Et « Tiens, celle-là, elle sort du lot. » Après, quand je me rappelle et que je réfléchis, je dois me dire « Ah oui, cette personne-là, c'est celle qui m'a dit là. » Et c'est comme ça que vous sortirez du lot. Les groupes, c'est très particulier. D'accord. Donc, c'est vrai que faut aller sur des œufs. On pourra en parler si vous voulez aussi. Mais il y a des choses que vous avez dites qu'il faut éviter gratuitement. C'est à bannir, c'est inclus dans le forfait, ça vous convient, mais gratuitement. Ce qui est important dans ce scénario, il donne les villes de départ, donc ça permet de déterminer le moyen par lequel on y arrive. Oui, c'est ça. On fait la recherche, le temps de trajet, les horaires, oui, trois on pourra effectivement aller le. Ça, c'est une bonne réflexion. Il y a 2 ans de cela, je me suis inscrite en BTS Tourisme, BTS dans lequel j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur mon île, mais également comment vendre une destination. J'ai obtenu mon BTS cette année. Et bien là maintenant, je suis inscrite en licence professionnelle e-marketing et communication digitale. Et j'étais d'abord très, très attirée par ce salon, le salon Topresa, un grand salon du tourisme. Et donc ça a été d'ailleurs ma première motivation. Mais une deuxième chose, c'est que j'aime beaucoup valoriser les destinations. D'abord la Martinique, mais également toutes les destinations du monde. Et c'est pour cette raison que j'ai postulé, j'ai posé ma candidature pour ce concours national, auquel j'ai présenté la destination Martinique, une destination avec des propositions atypiques que j'ai pu valoriser. Et cette proposition a finalement plu, puisqu'aujourd'hui, je suis là. Comme je disais, on a une première phase avec un questionnaire pour lequel on doit répondre, proposer un séjour. Donc, comme je vous disais, j'ai choisi la destination Martinique. Et ensuite, dans un second temps, eh bien, le choix est fait, 10 finalistes sont sélectionnés. Et à ce moment précis, eh bien, chaque finaliste reçoit 5 scénarios. Cette année, la destination choisie, c'est la montagne, en général, et préparer finalement 5 pitchs de 4 minutes. Et le jour de la finale qui aura lieu le 8 octobre, eh bien, un pitch sera tiré au sort qu'on devra présenter et 5 candidats sur 10 seront récompensés. Dans ma formation, les professeurs, eh bien, c'est leur rôle premier d'aider les jeunes, de nous faire optimiser nos compétences. Mais là, ça a été vraiment enrichissant pour moi puisque j'avais des professionnels reconnus de l'île et d'ailleurs, et qui m'ont permis finalement d'affiner mon discours et puis d'opter pour des choses plus convaincantes pour me permettre eh bien, de faire une meilleure prestation. Que je m'attendais à des scénarios variés, je me suis dit peut-être un d'entre eux serait sur les Antilles. Et à ma grande surprise, eh bien non, tous étaient sur la montagne. Il faut savoir que je n'ai jamais été en France, mais ça n'a pas été un frein pour moi, plutôt un challenge, un défi. Je me suis dit, bon ben, pourquoi pas, j'aime découvrir, j'aime apprendre. Donc, dans ce cas précis, j'en ai appris davantage sur la montagne et je vais la vanter au mieux. J'ai une grande fierté de pouvoir accompagner une jeune Martiniquaise qui s'est présentée et qui arrive dans le top 10. Et puis de donner une partie de mon expérience, de conseiller. Et puis surtout, la relève martiniquaise qui arrive pour le tourisme, qui saura vendre aussi notre destination, parce que c'est une petite jeune qui est passionnée et qui représente bien notre métier. Donc je suis très fière d'abord. Le CMT est nécessairement très fier de pouvoir accompagner une jeune qui s'inscrit dans un parcours d'excellence, qui se challenge et qui aujourd'hui va vers ce concours, donc TAC Junior 2021. Donc nécessairement, nous sommes aux côtés de ces talents martiniquais. Nous avons envie de dire à notre jeunesse martiniquaise qu'elle a raison. Elle a raison de se former, elle a raison de s'intéresser à ces métiers du tourisme et que nous sommes nécessairement à leur côté et très fiers d'eux.